La gouvernance territoriale, c'est une notion qui a été introduite en France assez récemment, j'ai une quinzaine d'années. Ça vient plutôt du monde anglo-saxon, de la sphère des entreprises, et ça vise à décrire comment s'organise l'action collective avec l'ensemble des parties prenantes. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en France, on utilise ce terme pour décrire plutôt ce qui relève de ce qu'on pourrait appeler le gouvernement territorial, c'est-à-dire le jeu des institutions les unes par rapport aux autres. Et c'est particulièrement le cas quand on parle du Grand Paris, puisqu'on parle de gouvernance métropolitaine, en fait, d'abord pour décrire le jeu complexe entre métropole, région, intercommunalité. Alors qu'en fait, on peut se demander si ce terme de gouvernance n'est pas justement particulièrement adapté pour décrire des situations comme toutes les grandes villes monde, Paris, Londres, etc., où on ne peut pas gérer un système aussi complexe avec une seule institution qui gouvernerait l'ensemble du territoire par en haut.